Salut à tous les shootés du vélo, les drogués, les passionnés de vélo, les... Ça commence super fort là. Ah bah attends, il y a déjà... Le vélo, sa pédale, on va sucer de la roue, comme on dirait dans le milieu du cyclisme. Pédales, pédales, on va pédales, 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 voilà. Pédales, 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 pédales. Des noms, du Poulidor. Eddy Merckx. Jeannie Longo, go, go, Jeannie Longo, go, Jeannie, go, 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 Laurent Fignon, passe le pignon, Fignon, passe le pignon, Fignon, passe, voilà. Du nom. Allez, je t'en prie. Un entraînement très bien fait. Alors, une section entraînement qui vous apprend vraiment à vous servir parce que c'est pas évident. Hein. À ne pas laisser on de marque pas comme ça directement. Et casque obligatoire pour pas se faire bouger. Yes! Oh, allez, ah, il est pas mal, on dirait un robot. Il ressemble un petit peu. Ouais, il ressemble un petit peu à. Ok, je vous le dirai tout à l'heure. L'équipe, il ressemble un peu. On a le choix, on est au repos, hein. Au repos, au repos, combien au repos? Au repos total mais ou on s'en non, fout, on est pas au même repos. Le regarder à la télé, pour moi c'est un supplice, même les périodes de montée, alors vas-y non. Montre-nous un vélo, qu'on oui, en finisse. Non, mais on va faire un mode arcade, comme contents, ça, on va y aller et directement. Et on pourra s'en aller, allez, on y va. Leur un vélo. Allez, on va choisir une belle boucle. Avec une gourde, allez, parce que là, on va choisir une belle boucle. Tu pompes l'air, tu vois ce que je veux dire. Attends, ma blague de la pompe. Ah non, c'est pas vrai, je t'ai piqué, pardon, excuse-moi. Attends, oh, j'ai un coup de pompe. Ah, voilà. Très bien. Alors la météo, on va le faire avec du soleil. Nouveau maintenant dans Est-ce ce jeu. Est-ce que tu peux le faire pisser sur sa selle? Ah, parce que ça, ils le font. Ils le font en conduite. Ah, eh bien, le terrain, le tracé de la route, avec les montées et les descentes. Ah non, oh là, j'en peux plus, là, il est fatigué. De vitesse, là. Oui, il est fatigué, attention. Ah, l'accident. Et c'est la chute. Alors, trois chutes et on est mort. Et là, c'est la chute. Allez. Ah bah tu fais tomber tes potes. Il est fatigué, regarde, il souffle, ouais. Il souffle. Il est vainqueur d'étape, il a un beau chèque et il fait des bisous au lion du ouais, Crédit Lyonnais. Ouais, alors il y a les filles qui sabrent voilà. Le champagne, voilà. Il est mouillé de plein de champagne et les filles ensuite lui lèchent le corps mousseux. Oui, et le lion du Crédit c'est Lyonnais. C'est déjà pas mal. Il a le maillot vert. Voilà, le maillot vert, c'est le sprinter. Sprinter. Meilleur sprinter. Ensuite, tu as le maillot rayé noir et blanc. Qui est le maillot du drogué qui s'est fait avoir. Voilà, et qui est en prison. Avec un petit numéro là. Où il s'en sort bien, il a toutes ses chances de gagner. Et l'autre derrière, bon bah c'est normal qu'il se donne un petit coup de pouce quoi. Bah oui, bien sûr. Ah bon, le gars, le mec fair play, bon il mange son orange avant de partir. Ça marche moins bien hein. Le bah suivant, attends, j'ai pris des sucres lents. J'ai fait une bonne plâtrée de pâtes et mon petit orange là, je vais gagner le Tour de France hein. Ah mais qu'est-ce qu'on ça essaie d'or. Ah bah il y en a beaucoup qui arrêtent. Ouais, hein. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Il y a la voiture balai qui qui le met sur le pas. Allez, dégagez bande de losers. La voiture balai, moi quand j'étais petit, je croyais vraiment qu'il y avait des mecs avec un gros balai derrière. Tu vois, et qui balayaient les nettoyaient derrière. Oh, il a fait caca sur sa selle. Je nettoie la route derrière. Ouais, non mais c'est mal. Et on va prendre une météo un peu plus pluvieuse, même prendre de la neige. Parce qu'il y a des années où sous la pluie où ils sont sous la neige. Oui, mais alors au mois de juin la neige. On va prendre, il y aura un peu plus tard. Est-ce que j'ai loupé mais au mois de juin, la neige, il n'y a pas... Difficulté normale et la course. Non, chez vous. On va aller près de Gap, vous êtes... Il faut trouver les endroits où il faut accélérer. Ah ouais, il faut... De profiter de la spirale. On a d'un des participants pour me reposer un petit peu. Ah. Ah, c'est pour ça, réel. Oui, mais alors c'est parce qu'à chaque fois que tu tombes, forcément t'as moins d'endurance. Et du coup, tu dois boire des bidons un peu plus souvent. Avec la rotule pétée, généralement tu pédales moins vite. Oui, hein. Oui. Du juillet, il pleut tout le temps, alors rigolo. Autant rester devant sa télé. Hein. Ah, j'ai du mal. Hein. Le Tour de France a toujours été un supplice pour moi. Toujours. Avec ma grand-mère, on va faire un petit tour de. Non, mamie. Pas la mamie. Pas là. Quitter, on se fait un petit tour. Mais c'est bien, ça se joue avec plaisir. Ça se joue avec plaisir, et puis faut gérer. À partir du moment où t'as adhéré. Oui, alors la vue subjective comme ça. Ouais, pour oublier que tu joues un jeu de vélo. Ouais, c'est pas très. Comme c'est ça, t'oublies que tu joues un jeu de vélo. L'hélicoptère qu'on entend au-dessus. Bien les choses, attention, est-ce que le porte-clés se mêle de ton gars avec une clé flotte? 5, 4, 3, 2, 1, top, et c'est. Oh bah en fait, ouais. C'est pas assez profond pour juger. Notre piscine n'est pas assez profonde. Donc on va dire que oui. En fait, vous voyez pas, chers téléspectateurs, mais en fait, la clé a touché le fond et quelque part, ça flotte. Si ça peut te rassurer, il n'y a pas que la clé qui a touché le fond. Pas mal. La game derrière nous. Yannick et Johan qui font les statues qui vont remplacer Samus l'année prochaine. Là, ils bougent pas, c'est des statues. Hein. Faut pas les... Oh mince, avec le beau level 1 d'or, c'est bien ça. Non, ils bougent pas, ils font pas le... Préféré pour l'été, qu'est-ce qui commence? C'est pas une vraie statue. T'as cassé l'ordre. Non, catastrophe. Il y a un contenu
Julie fait enchaîner sur le contenu de la gazeuse. Alors c'est moi qui commence, je me dis. Alors si je préfère. Il y a plein d'autres petites animations regarde, comme ça. Regarde, Gia, Gia, regarde bien sur l'écran. Regarde, j'ai des morpions. Classe. La classe. Super classe. Regarde, attends, je le montre. Et donc c'est génial, vous pouvez mettre ça pendant que tu vas. C'est comme lorsqu'on regardait les cités d'or pendant les vacances, donc c'est possible. C'est comment est-ce qu'on regardait les cités d'or pendant les vacances? C'est exactement ça, c'est un vrai dessin animé. Ça n'a rien à voir, moi je voudrais un petit peu de sérieux. C'est le bordel. Il y a des gens qui se battent à Wapé. Ouais, il y a d'autres illustres à lancer. Il y a d'autres illustres à lancer. On lance les illustres. Il y a PES2 et ça a été oublié, ça c'est pas bien, c'est une grave faute. C'est absolument volontaire. Non, c'est une grave faute. Il y a un mec qui fait un 2-3 soleil derrière toi, il faut que tu te retentes dans un temps, sinon il va mourir. Alors maintenant on enchaîne sur quoi? Écoutez les chiffres, c'est très. On a quoi? On a du level 1 aussi, on a 250 level 1. Avec 2500 blagues pourries quand même. Aucun premier niveau terminé, c'est quand même pas rien. Ah par contre, toi tu fais ça. Si t'as il en fait 4 fois. Dans les 350 game zones, on a eu. Qui fait genre qu'il travaille là, mais en fait c'est pas du tout ça. Il est en train de s'amuser à faire autre chose. Le mec qui plante tout le temps. Voilà, le son, quand vous écoutez des musiques en général assez pourries dans la game zone, et ben c'est lui. Voilà, toute cette semaine c'était du Gilbert Montagnier. Donc c'était ça, c'est Cédric, et voilà la game zone. Et tiré de la version européenne. Ouais, la c'est magnifique, c'est magnifique. C'est le bordel, c'est le bordel. Bonjour à tous, bienvenue dans le Level One. Le Level One, une émission sympa, divertissante, qui eh bien, aujourd'hui va se placer sous le signe de la moto, Yannick. Ouh, il y a eu comme un vent glacial de sérieux. Alors on va changer ça tout de suite, c'est Bali Ballot sur sa moto, faisait le sort, mais dans un putain de virage, quoi ça, les couilles dans l'embrayage. Ah ah, Bali Ballot, Bali Ballot est un salaud. Ouais. Voilà, pour casser un petit peu cette ambiance de glace que de temps en temps on retrouve dans certaines émissions et qui est bien dommage. Oui voilà, alors Céline, notre manager qui nous dit, écoute, tes parents ne nous ont pas donné assez d'argent, alors nous t'avons trouvé une chambre, elle va être peut-être un petit peu petite, on va la voir juste après, vous allez voir. Effectivement, elle est un peu petite et un peu sale. Alors, après, ensuite, on consulte notre deuxième message. Là, c'est le message de maman qui nous dit « Salut mon bébé, c'est maman, j'appelle juste pour savoir comment s'est passé ton arrivée et si tu te plais dans ton appartement miteux de 9 mètres carrés plein de cafards. » Vous allez voir. Voilà. Et la question de l'appart. Alors, tu vas voir, c'est bien plus drôle que ça. Écoutez-moi ça. Ah, ça ne marche pas. J'ai appuyé sur stop, pardon. Ça ne marchera pas. C'est rigolo. Partons d'ici et rentrons dans notre chambre. Regardez-moi cette belle chambre. Hein, c'est propre. On se gratte les fesses. C'est quoi ça? C'est la petite. C'est le garagiste. C'est notre. D'accord. J'ai cru que c'était la petite copine parce qu'on dirait qu'il a des nichons quand même. Ah, la petite amie, non. La petite amie, on va la voir. Elle est juste là. Regardez-la. Oh, le poireau. Le petit poireau. Ça vient de. Le petit placard pour les trophées. D'accord. Il y a la sortie. Alors il y a eu un meurtre. Il y a un meurtre juste devant chez nous. C'est vilain glauque. C'est ça. D'accord. Les dunes, tu sautes et tu te passes des checkpoints. On y va. La petite amie, Non, ça va, pas trop. Point trop d'infos. Pas se moquer après. Point trop d'infos. Mais enfin là, j'ai l'impression qu'ils se moquent un peu des gens moches et je trouve pas ça normal. Ouais, des fois c'est une bonne loi quoi. Non, on peut très bien. Ouais, elle est pas vraiment moche après. C'est les. Non. Toi tu la trouves moche. Moi peut-être que je trouve un charme incroyable. Non, mais toi t'es moqueur aussi. Que c'est mon rayon de soleil, hein, que je vais acheter juste rien que pour le mettre sur mon écran. Je vais figer l'écran sur la photo de la fille. Parce que je ferai des trucs un peu salaces tout seul chez moi quand je m'ennuie. Ah bon, ouais, mais pourquoi pas. Faut bien mortier prieux. Ah, ils sont partis. Alors, c'est ce que voilà, c'est le bas. Motocross, motocrotte. Quel est le. Alors, finalement, on dit quoi? Tiens, sport. Tiens, rien que pour la provocation, les Hells Angels, ils se la pètent un peu, je trouve. Alors, les Hells Angels. Je m'écarte, je sens que ça va être tendancieux. Moi, je vais vous faire bouffer vos motos si je vous croise un jour. Si je vous croise, je vous fais bouffer vos motos, ok? Ouais, non, mais j'ai pas peur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? En anglais maintenant. Ouais, c'est ça avec ta chaîne de vélo, vas-y. En anglais. To all the Hells Angels of the planet, be careful. I would like to say you that you don't afraid me and I want to kick your ass. You're gonna avoir au fessé. You know the fessé. Voilà. On n'aime pas les Hells Angels. Non, mais you want me to kick your ass? Ils se la pètent, les Hells Angels. Non, je rigole. Bon, c'était un peu gratuit. C'était gratuit. Histoire de quoi. Histoire de quand on sait pas quoi dire, on s'attire bêtement des ennuis. T'es sûr que tu vas rentrer chez toi tout seul? Tu vas avoir peut-être des petits problèmes. Ouais, il suffit de ne pas aller au concert de. De vous montrer qu'on peut s'investir dans le jeu et puis prendre beaucoup de plaisir. Oh, énormément. On y va. On joue la montre. Je vais faire monter la table si j'ai trop de plaisir. Pardon, c'était pas nécessaire de dire des choses. Je suis content de pas l'avoir dit. Oui. Je suis un pilote amateur, peut-être pour toi. Hein.
pour moi. Voilà, pour moi, je vais me prendre un... Taille, sa taille. Je prends, joué, taille. Je prends le japonais. Voilà. C'est plutôt ennuyeux. Monsieur Mamoto, monsieur madame Mamoto, on t'en fiche. Japonais. Utami Mamoto. Ah. Allez, on y va vite, là. Écran de chargement, merci, salut. Enchaîne, dis quelque chose, me laisse pas dans le désarroi, comme ça. Yeah, c'est pas sympa. M'abandonne pas. Allez, on y va. Chers téléspectateurs, bienvenue pour ce Level 1 en public en compagnie d'Arnaud. Applaudissements sur le plateau, s'il vous plaît. D'accord, on n'est que deux. Désolé, chers téléspectateurs, pour ce petit contretemps, mais c'est les techniques, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Yoyo ? Tu nous fais honte. Non, tu nous fais honte. Tu n'es pas fair play. Mais là, la France, c'est dégueu. C'est pas bien. Hop, hop. Comme un homme, allez. Oh, non, il n'y est pas. Yannick est en train de se préparer à poil. Il passe. Regardez ça, c'est magnifique, c'est incroyable. Il n'y est pas. Crâne chauve, il a arrêté, t'inquiète. Et attends, arrête de Barthez, crâne chauve. Non, Barthez, le foot, après la saison qu'il a... Oh là là. Alors, le mec, il commente. À chaque fois sur les PES, c'est bidon. Quoi. Ouais, c'est horrible. C'est de la merde. C'est la toile d'araignée. La lucarne. Il y a des mecs qui arrivent à faire les. Oh, le but ! Oh, c'est beau. Le malheur s'abat. Écoute, refais-toi. Et s'il y a un deuxième but, Yannick vous montre ses parties génitales. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Ah bah je le fais gratuitement moi. Il l'a fait là. Il l'a fait peut-être. Ah, c'est perdre. Dommage. Non. Le mot de passe. Quand vous arrivez au magasin, vous prenez donc ce jeu là dans le rayon. Vous venez à la caisse, vous regardez Arnaud, vous faites un gros naze. Ah non. Voilà. Vous faites un gros naze. Et là, à ce moment là, vous avez une réduction de 10 euros. Alors on va faire plusieurs jeux comme ça. Si vous aimez par exemple Virtua Tennis, on va faire un Level 1 Virtua Tennis avec Arnaud. S'il père, là aussi réduction. On offre une Dreamcast. On va faire gagner des cadeaux. Le mot de passe sera toujours Arnaud, t'es un gros naze. Ou Arnaud, tu sais pas jouer. C'est pas fini. Alors, allez, attaque. Je vais marquer. Oh, le dribble tout seul. La passe. Aïe. Non. Je suis fâché! Non, c'est fini! C'est rien, calmons-nous sur le plateau! Pas possible! Bon, allez, on fait un petit bout de match rapide! On fait une petite séance de péno, on montre? Petite séance de péno? Ouais, c'est tout. Non? Ok. Allez, vas-y, faut retrouver dans le menu, c'est pour ça. C'est pour ça. Okay. Ça va être un petit peu dur. On essaye peut-être de l'avoir dans le menu. On transpire, on est trempé, c'est un sport vraiment. Hein. J'ai perdu 2 kilos là. Et on rappelle, on jouait sur Winning Eleven 6, Final Evolution sur PS2 en compagnie d'Arnaud. Et on va vous laisser sur un but. Oh, ah ouais.